Bonsoir. C'est le temps de s'approprier des discours politiques. C'est le temps de les saccager un peu pour une fois. C'est de l'improvisation comme le reste. In times of unrest. Have you rested today? Have you rested this week, this month, this century? Have you rested at all? Can you rest? Who can rest? Peut-être ne l'avais jamais. Avec sa malocution, avec la résolution du débat général, pendant 70 ans de la session de l'Assemblée générale des Nations. 37 ans, je vais être New York, le discours prononcé une fois. Le discours prononcé. Monsieur le Président, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous au nom du Canada. Qui nous ont précédés dans le continent des vivres. Nous reconnaissons la douleur causée par des décennies. Thank you.
Liberté pour tous.
Cheminer ensemble vers des solutions. C'est la raison pour laquelle le Canada a soutenu un pacte pour l'avenir. Mais Monsieur le Président, construisons cet avenir ensemble. Monsieur le Président, depuis près de 80 ans, aucune femme n'a occupé le poste de secrétaire général. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Construisons cet avenir ensemble, notre constat est clair.
Le prochain dirigeant de cette illustre institution doit être une femme. Il est grand temps que l'on puisse dire de façon honorable sur cette tribune et à travers le monde, Madame la secrétaire générale. Je dirais la même chose pour le poste de président de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, avec tout le respect que vous m'inspirez, j'espère que l'année prochaine, les délégués s'adresseront à Madame la Présidente. Je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à partager ce souhait. Monsieur le Président, laissez-moi vous parler de ma mère. Laissez-moi vous parler de ma mère, mais laissez-moi vous parler de ma mère. Monsieur le Président. Mais ma mère. Ma mère, vous savez, ma mère et grand-mère font partie des millions de femmes dans le monde qui ont lutté avec acharnement. Monsieur le Président, un nouvel avenir se dessine. Nous ne devons pas échouer. Et c'était l'adresse de Mélanie Genevilly aux Nations Unies le 30 septembre 2024 à New York, New York. Est-ce qu'on a besoin d'un palate cleanser? J'aurais besoin d'un palate cleanser. Olivia Thorpe. October 22nd, 2024. Interrupting. Our people, our bones, our
bodies, our people. You destroy our land. Give us a treaty. We want a treaty in this country. You are a genocidalist. You are a genocidalist. You are a genocidalist. This is not your land. This is not your land. Give us a treaty. This is not your land. Give us a treaty. This is not your land. Give us a treaty. This is not your land. You're not my king. You are not our king. You are not our king. Fuck. Fuck. You are not our king. Give us our land back. Give us our land back.